bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sons of Salzar. On se retrouve avec notre fine équipe et on avait 6 jours à tuer avant de pouvoir avancer la quête principale, donc on avait comme objectif d'aller visiter le mec qu'on avait réveillé de sa sieste, n'est-ce pas, et qui était dans le coin, je crois. Normalement on était quasiment arrivé à 2000 je ne sais quoi. Ici à quoi? Ah, on pourrait faire des petits bandits pour commencer. Allez, c'est parti, on va faire des petits bandits. On a besoin de ressources. Oh, mon son est un petit peu fort, mais c'est vrai que j'entends pas suffisamment la bande son de ce jeu qui est quand même assez sympathique. Il y en a qui s'enfuient par là, là. Ah, mais il en reste, excusez-moi, j'avais pas vu. Alors, qu'est-ce qui nous file de bien? Un jade seulement, dommage. Dommage, dommage, tant pis. C'est pas très très grave. Alors, ah, ça m'a l'air prometteur ici. Est-ce que c'est lui le garde? Ne bougez plus! Vous êtes sur le territoire des Ximérianes. Aucun étranger ne peut entrer. Je cherche un vieil ami, son nom est Gulzar. Ah, il change complètement d'expression. Il dit Gulzar, mais par l'enfer, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui s'est passé avec Gulzar? Son père est mort. Béni soit son esprit. Est-ce que c'était pas lui le prochain dans la lignée des chefs? Alors, on n'a pas besoin que vous traîniez autour de notre tribu. Barrez-vous ou j'appellerai quelqu'un pour vous virer. Quelque chose a dû se passer à Gulzar, ou alors il ne serait pas aussi méfiant. Est-ce qu'on veut continuer d'investiguer? Oh, on investigue, ouais. Encore des questions? Vous êtes vraiment en train de chercher la merde. Garde, nous avons des intrus. Ok, ben écrasons les gardes alors, c'est parti. Mon mage il court devant moi, quoi. Ils sont où les gardes? Ah, ils sont là. Oh bah dis donc, en plus ils ont des chevaux, ils se traînent. Qu'est-ce que c'est, bordel? Garde au rabais là. Ah, y'a du monde. Ok, ils sont 55. Ouh, ça fait mal le petit lancement de sort là. Ah, le son est un petit peu trop fort quand même. Il va falloir que je baisse. Où est-ce qu'il reste? Il en reste 18 encore, ils sont où? Ils sont là. Bon, le dragon, c'est vrai qu'il est puissant, mais par contre, qu'est-ce qu'il est lent, même avec les boosts de vitesse. Toi, meurs, là. Ici, il y a plein de monde. Voilà. Bon, ça déconne un peu avec le suivez-moi, parce que du coup, ils tapent pas forcément sur les mecs qui sont au milieu d'eux, ils essaient de me rattraper. Genre là, il y a point rouge là qui traîne depuis des plombes au milieu, mais qui fait rien. Voilà, ça c'est fait. On va aller baisser un petit peu le jeu. Enfin, ah oui, non, dès que j'aurai fini ça. Maïction, retraite, protéger notre base. Ils ont battu en retraite. Hein. Si vous voulez aller jusqu'au fond de la vérité, vous aurez peut-être besoin de capturer cette base. Il vaut mieux... Alors, comment on pourrait traduire ça en anglais, cette expression? Il vaut mieux être certain que désolé, un truc du genre. Ouais, ça ferait une traduction potable. Pourquoi le son est parti en couille comme ça? Ouais, pourtant on est assez bas. Bon, je vais pas trop bouger parce que des fois que ça fout la merde dans le record, mais... Allez, on continue de pousser, avantage. Malédiction, il nous chasse! Nous sommes attaqués! En avant! Alors, du coup, là, il faut qu'on prenne la base. On va regarder où ils sont. Visiblement, ils sont tout là-bas. Donc on va se faufiler en speed, prendre ce truc. Vu qu'on trace, on devrait pouvoir le prendre et gagner un peu de ressources. Toc, c'est pas ça. Hop, c'est ça, voilà. Donc ici, voilà, ils ont envoyé une partie s'occuper là et les autres. Attaque, attaque, attaque. On va envoyer des gens filer un coup de main. Vous
Les chamans, ils attaquent. Il nous faudrait, voilà, les anciens, parfait. Un petit peu d'infanterie. C'est parti. Hop là. On les a pris, on va pouvoir faire demi-tour, aller s'occuper d'eux. Visiblement, ils sont suffisamment nombreux. Alors, du coup, la suite, on va aller par là, avec ceux qui nous suivent. Bon, les healers, on va les dépioter, il n'y a pas trop de doute. Effectivement, le son est vachement diminué d'un coup. C'était peut-être juste un petit bug. Allez, on prend ce village. Parfait. Ensuite, on va pouvoir passer. On va jeter un œil à la carte. Ici, on a des gens qui défendent. On va. Alors, attends, c'était. Pas F9, manual. Et. All Troop F1. Follow, voilà, pour les débugger. Tuck. Je me demande si on arrive à faire grandir les dragons, s'ils deviendront comme nous là. On est plutôt badass. Ah, normalement ils doivent tous en train de venir vers nous. Ouais, et puis ils sont tombés sur, sur des ennemis là. On va les chercher. Voilà, parfait. Visiblement il y avait quand même quelques lanceurs de sorts. Par contre on a du dégât, on a du dégât, on a pris quelques dégâts. Il va nous falloir un peu de heal. On va attendre qu'il soit proche. Voilà, hop, un petit peu de résilience. Et on lance l'assaut sur la ville. Boum! Petite invocation qui fait plaisir. Ça y est, prend la ville. Et ça devrait être la victoire. Parfait. Bien joué, belle bataille. Alors, voyons voir ce qui s'est passé avec Gulzar. Et Gulzar, il est ici, on a des mecs en armes un peu partout, ça sent le pâté. Qu'est-ce qui se passe? Les signes, est-ce que tu es venu me sauver? Gulzar, mais est-ce que tu n'étais pas censé être l'héritier de la tribu d'Eximeria? Mon oncle, Kairivia, il a outrepassé les souhaits de mon père et il a utilisé Hypocride, alors c'est peut-être la plante qui l'a endormi, pour se débarrasser de moi. Ah ah, mon oncle, mes amis sont venus me sauver, vous avez déjà perdu. Malédiction, je suis le chef. Tout le monde, combattez de mon côté. Mon oncle, vous n'avez pas grand monde qui se tient à côté de vous. Malédiction, de nouveau, ce n'était pas ce qu'on avait convenu, Sheritz. No, c'est qui Sheritz? Gulzar! Oula, il a l'air d'avoir passé un pacte avec on sait pas qui, mais ça a l'air d'être la violence. Il y a 71 ennemis en face cette fois, ça déconne pas. Et nous on est que 78, on a eu des pertes, j'aurais dû voir pour soigner un peu. Ouh, des Silver Warriors. On va les fixer au sol. Ça nous permettra de faire un peu de dégâts. Les Silver Warriors là, ils sont en train de défoncer tout le monde derrière, j'aime pas trop ça. Ils nous ont contourné. Voilà, hop. Ils ont pas mal détruit de barres notamment. Donc quand même, on a perdu que 4 troupes, donc visiblement c'est quasiment les seuls qu'on a perdu. Ah, puis c'est peut-être, en plus ça va, c'est peut-être les barres invoquées là de l'autre là. Donc oui, c'est pas trop grave en fait. Je crois que c'était mes wizards, mais ça va. On va regarder en speed, du coup on a des blessés. Ah oui, on a des blessés. Alors vu qu'on a plein de potions, on va s'en occuper tout de suite. Hop. Et les high prêtresses, elles ont pas mal souffert. On a même pas assez du coup pour les remonter au max. Mais c'est les seuls qui restent à soigner après, donc pas de problème avec ça. Gulzar, raconte-nous. Merci le signe. Mes hommes ont la situation sous contrôle maintenant. Je vais me charger du reste personnellement avec mon oncle.
Alors, mon oncle a utilisé une potion extrêmement dangereuse, l'amnésie d'époque. Je l'ai bu au banquet et ensuite je me suis retrouvé complètement perdu dans les étendues sauvages. Qui sait combien de jours j'ai été assommé? Si tu ne m'avais pas sauvé, je ne sais vraiment pas si je serais toujours en vie. Merci mon ami, je te dois tout. S'il te plaît, accepte ce cadeau. Il nous a enfilé un anneau. Très bien, voyons ça. Et un petit peu d'XP, ce qui ne mange pas de pain. On va pouvoir prendre Blitz. Plus 5% de mouvement en bataille. Ça va faire plaisir. Et donc du coup, il nous a donné un anneau qui fait quoi de beau? Plus 8% de vie à tout le groupe. Ah, c'est pas mal. Qui c'est qui n'a pas de truc? Toi, t'en as pas. Toi, t'en as un. Donc toi, tu prends ça. Et toi, c'était quoi? Régène plus 20, mais la régène plus 20. Plus 6% de vie à toute la partie. Ouais, c'est plutôt cool, hein. Pour la peine, on va prendre ce petit... meunière de prestige. Et là, on est au bout de la map. Ok. Il nous dit rien d'autre. On va vérifier. Alors, comment est-ce que tu as pu me faire ça, mon oncle? Et cette chérie dont tu as parlé, qui est-elle? Ah, on peut pas l'aider à chercher qui c'est, malheureusement. Bon, il nous reste 5 jours à tuer. On va vérifier si on peut pas faire quelques petites montées de niveau. Non, il faut un petit peu de jade. Pour avoir des sorceresses. Du coup, au niveau des quêtes... on a toujours ça, on touche toujours pas. Finrabia et Finjalal, on est un petit peu dans le mal. Trouver de la viande d'ifrite, on n'a pas trouvé. Et le truc de la maison, on est un petit peu dans le mal aussi. Donc on va fouiller un peu ce qui reste de cette map. Voir si on trouve pas des choses intéressantes, comme par exemple un camp de bandits attaqué. Ça m'a l'air pas mal, ça, y a plein de thunes là. Et des ressources. C'est l'église de la... Radiance. Non. Alors franchement. On va les défoncer. Il n'y a pas trop de mots. On va pas faire dans le subtil. On charge frontal. On leur marche dessus et on n'en parle plus. Coucou. Visiblement ils ont voulu rester un peu en défense. C'était une mauvaise idée. C'est pas qu'il l'a dit. Ouh, la transformation de dragon sur les petits disciples là, ça a pas fait plaisir. On a un qui résiste là-bas. Il va être géré assez vite, je pense. Voilà, ça c'est fait. Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il fout? Oh, putain, je suis coincé avec tout le tas de monde qu'il y a, il me pousse quoi. Ok, passons devant, on va aller chercher l'autre petit village avant qu'il ressuscite trop si possible. Putain, il est loin. Oh, ça va, il y a que le leader. Boum! Grunslash. Hop là, c'est parti. Alors il nous dit comme d'hab que on ne s'en tirera pas comme ça, mais pour l'instant on n'a pas eu des ventes ou de trucs qui nous feraient qui nous dirait qu'on va souffrir. Alors ça c'est quoi? Presser espace quand vous êtes sur une monture pour dash. Ah, on pourrait dash avec notre monture, mais j'imagine que c'est en combat. Ah, quand je fais espace, il y a un truc qui apparaît. C'est ça notre jauge d'endurance? Ça descend quand je me déplace en fait. J'ai pas particulièrement l'impression que ça me fait accélérer. Bizarre, mais bon, admettons. On va aller explorer ce petit coin là. Alors, normalement, voilà, on va passer par Alfun in Bazar. Est-ce qu'on peut se faire un petit siège peut-être? Les nazirs là, ils nous aiment pas les nazirs. J'aime votre expression morose. Les nazirs. Intel, c'est avec qui qu'on s'entend bien? C'est avec les nazirs qu'on s'entend bien, donc on peut essayer de les rejoindre, c'était marqué, on va essayer de voir.
Peut-être que c'est ça qui va peut-être nous aider à nous développer. J'aurais peut-être dû essayer de rejoindre les Dakna. Je voudrais les rejoindre. Alors, il faudrait parler à notre leader. Bah oui, logique. On est sur un lit avec eux, et du coup, win over, ça veut dire qu'à l'inverse, on essaye de le conquérir, quoi. Est-ce que t'auras une petite tâche? Non, j'ai pas envie d'aller à l'autre bout du monde chasser des gens, c'est bon. Ça ira. Toi. Ah bah des bandits, parfait. 167 utars, ça doit être potable. On n'est pas sur les petites quêtes à 300 là. Il y a un petit garçon ici. Alors... Attends, t'es un peu tout seul toi. Le soleil noir a introduit une puissance primale dans le monde. Et où est-ce que tu vas? Il va... Ok, d'accord. On peut savoir... Donc j'ai rien à lui offrir, malheureusement. On peut pas le recruter, de toute façon on est plein. Donc, je trouvais c'est juste marrant qu'il se balade tout seul. Alors les bandits, ils sont où? Ils sont proches, on sait pas exactement où ils sont. Okay. Oh c'est cool, il y a plein de jade ici. Bon on va s'occuper de ça déjà. Comment on y va? Un sorcier qui nous donne des... Il veut 5 jade pour rentrer. Allez on prend, il y en a plein à côté. Ah bah non on n'a pas assez. Bon, non, du coup on va d'abord chercher la jade à côté. Ah bah là il y a le bandit, on va s'occuper du bandit. Viens là petit. Allez hop, on va casser des têtes. C'est une excellente manière de passer le temps, n'est-ce pas? Casser quelques têtes. Ouf, ça pique. Ça y est. Hop là. Alors, ça c'est fait. Ensuite, on va aller ici, s'occuper de ces bandits-là. Alors, c'est un camp lourdement gardé. On y va. Iron Wish, 2 fanatiques level 15, des men level 8, des Ifrit Axe level 15 et un Ifrit Shooter level 15. Ah, ça commence à parler là. Ça commence à parler. Ils sont en face. Donc c'est parti, on y va. Leurs camps sont plus ou moins toujours structurés pareil, visiblement. Bam! On va fixer cela sur le sol pour pouvoir s'en débarrasser tranquillement. Mon stun c'est con, putain la vache, je suis tellement lent. Ah ouais, il stun bien hein. Tu peux réussir à faire des trucs? Un petit peu. Alors, on va invoquer des petits trucs pour nous aider. On prend la base. C'est parti. Et quand ils ont des bons stuns les Ifrit, hein. C'est plus difficile du coup de faire des trucs. Bon, on va tellement vite en tant que dragon. Eh, on arrive, bien sûr, on n'est plus un dragon, ce serait pas drôle. Et bon, notre personnage est quand même devenu efficace, hein. Il est vraiment capable de bloquer un max de coups et d'esquiver les autres. Même quand il n'est pas transformé. Alors dès qu'il y a des renforts qui arrivent, c'est la fête quoi. Bon bah ça s'est passé, je m'attendais presque à un peu plus de résistance vu les gens qu'il y avait dedans, mais ça s'est bien passé. 52 jade de base, ça fait plaisir. Et en plus on va en récupérer un peu plus dans les coffres. Nickel, donc on va pouvoir voir un peu ce que le marchand il nous fait là. Hop, on continue de booster ça. Alors, on va prendre Rick avec nous, on va prendre toi et on va prendre Emin. C'est parti.
Alors, deux niveaux, et là, alors qu'on marche à travers le marché, on est arrêté par un wizard qui nous offre un objet magique, comme ça. Ok, on accepte son cadeau et on se prépare à partir. Et on a eu un marteau, d'accord, comme ça, cadeau. Un marteau glacial bleu. Alors je crois qu'on a malheureusement... Ah bah tiens, elle a plus d'armes. Ah oui, elle est cassée son arme, effectivement. Immédiatement réparer ça, on a que des trucs ultimate, donc bah c'est parti. C'est un peu ballot. Toi, ton armure est cassée. T'avais quoi ce truc là? Plutôt ce truc là, probablement. Mais tu peux pas prendre ça. Hein. Non, t'es obligé de prendre une lance. Toi, c'est un bâton. Et toi, t'as une épée. Ok, donc. Pour l'instant, ça ne servira à rien, malheureusement. C'est pas très grave, c'est toujours ça de pris. On a de nouveau un talent, la vache. Alors, party block plus 2%. Bah oui, bah complètement. Complètement. Ah, c'est sympa ce petit lac. Bon, il nous reste 4 jours à tuer, on est pété de thunes. Il y a une zone ici qu'on n'a pas découverte encore. À 4 jours, on peut pas non plus partir à l'autre bout du monde, donc aller faire les quêtes du côté de Fleur, ça peut être compliqué. Il y a des gardes ici, là, qu'est-ce qu'ils foutent? Rien de particulier. Ah d'ailleurs oui, faut que j'aille rendre la quête. Alors lui il s'est fait enlever, enfin il y a un de ses potes qui s'est fait enlever, ça nous intéresse pas. Je vais aller rendre la quête avant d'oublier. Même si normalement au bout de 30 jours elle est automatiquement validée. Alors c'était là. Ouais c'était là, c'est ça. On va passer. Oui. On s'est débarrassé des bandits, on gagne notre petite récompense. Et on pourrait aller dans le désert aussi. Hein. On avait la quête de la maison là, même si je suis pas trop convaincu de comprendre ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, même si elle n'est même pas buggée. Je te rappelle que le jeu est toujours, enfin, il est toujours en early et il est sorti d'early il n'y a pas très longtemps. Donc déjà c'est un jeu quand même qui est plutôt bien complet, ça fait plaisir, mais il peut y avoir des bugs. Pas non plus se voiler la face. Ouais, c'était là-bas la quête de la maison. Bon, avec la thune qu'on a, on pourrait essayer de la faire avancer en achetant. Eux, ils nous aiment pas, je crois. Ah, bah ici, il y a Elam qui est là, tiens. Écoute-toi, qu'est-ce que tu fous ici? Hey baby, I'm here. Ok, très très bien. Ouvre la porte, maintenant. Alors ici, on a une très belle femme. Qui est-ce que tu appelles bébé? Je ne suis pas aussi honteuse. Pourquoi tu es là aussitôt? Eh ben, j'ai acheté une maison à côté d'ici. Ah bah voilà, ok, il fallait juste voir qui était, s'était rendu ici. Quoi? Mais le fait que tu achètes une maison n'a rien à voir avec moi. À moins que tu me l'aies acheté pour moi. Alors, j'ai rencontré quelqu'un qui me l'a vendue pas cher. Owner. Le propriétaire de North Dunnerstorm Outpost me l'a vendu très vite pour juste 2000 Uthar. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Maintenant, je suis proche de toi. Je suis plus proche de toi, je vais pouvoir venir te voir dès que j'en aurai envie. Et tu penses que j'en ai quelque chose à faire? Reste avec ta femme. Il n'y a rien que je puisse faire, je suis quelqu'un de dur, je peux me débarrasser des... je peux gérer les choses moi-même, je n'ai pas besoin de... Qui est là? Ah, on a été découvert. Qui êtes-vous? Oh, c'est vous, la personne qui se renseignait sur la maison. Ça n'a rien à voir avec moi, je m'en vais. La femme... vous, ça a été planifié par cette femme. Je... Taisez-vous!
Est-ce que vous, c'est pas ce que vous vouliez? La maison, cette maison ne vaut pas le coup. Elle est vôtre, elle est vôtre. Ok, donc il nous file le contrat de la maison directement dans la main, parfait. Il ajoute un doigt sous notre nez. Vous avez eu ce que vous vouliez, vous n'avez rien vu, rien ne s'est passé, vous ne me verrez plus, n'est-ce pas? Ok, donc il a pensé visiblement qu'on allait lui faire du chantage vis-à-vis de sa femme, ce qui était effectivement pas forcément à négliger, mais au moins c'est fait. Quoi qu'il en soit, on a le contrat. Eh bah oui, effectivement. Pas dire autre chose. Quoi qu'il en soit, on a le contrat. Ah, est-ce que on n'a pas récupéré des petites potions pour soigner nos prêtresses? Ah non, pas encore. Dommage. Et ici, par contre, ils nous aiment pas les gens. Hein. S'ils nous aiment bien les gens ici, eh ben comme quoi. Pourtant, il me semblait que les Akal, ils nous aimaient pas. Ah, on est peut-être juste. Ouais, on est juste Wari, mais ils nous détestent pas. Par rapport à d'autres. Et là, ils font un une forteresse de chameaux du désert. D'accord, ça va probablement être un truc de commerce amélioré. On va éliminer cette petite tâche qui fait tâche. Et la maison, c'était là-bas. Alors du coup, on avait deux choix. Soit la refiler aux visiblement bandits vagabonds là qui avait pas l'air d'être franchement très très sympathique, faut dire ce qui est. Soit on la rend au chef. On va partout parler au chef. Ah, on peut rien faire en fait. Ah si, on lui a donné la maison en fait, il nous remercie, tombe à genoux, on le relève, on lui dit de prendre soin des enfants. Il nous dit je le ferai, merci, merci. D'accord, ok. Très bien. Et le vagabond a disparu du coup. Alors, qui es-tu toi? Don't you trust me? On est Wari. Ouais. Bon, ça vous apprend pas grand-chose. Est-ce que tu aurais une petite quête? Une lettre à amener à Alfun Hill Bazaar. Bah on y va donc ça tombe bien. Prends, ça coûte rien mais. Si ça peut faire en sorte qu'il nous aime un peu mieux. Ah, lui, il a des jeunes qui sont partis. On va prendre aussi. Ça va nous permettre de faire un peu le tour du coin. Ah bah il y en a vu qui sont juste ici. Restez là les gars. Hop, et d'un. Un petit truc à ramasser là. Bah c'est pas mal parce que du coup, vu que c'est désertique, on voit bien les mecs sur la map pour le coup. Bon, ils sont pas partis très loin en plus. Non, bah non, c'est bon. On va pas payer en plus pour les ramener. Ils veulent se battre. On va leur apprendre que c'était une mauvaise idée. Voilà. C'est fait. C'était presque plus rapide que si on avait payé. Alors, il y en a un autre qui traînait, bah juste à côté en fait. Hein. Ils sont pas partis très très loin. Et du coup, bah on va rendre la quête. Je pensais que ça allait me faire un petit peu plus me balader, mais comme ça c'est fait. Et c'est mieux payé qu'aller livrer la lettre de l'autre, quoi. On va retourner. Enfin, on va faire sa livraison. Et après, on arrêtera, je pense, l'épisode là. Et la prochaine fois, on devrait pouvoir faire peut-être la dernière quête. Je sais pas si ça sera la fin du jeu. On verra. Là, je pense qu'on s'en approche doucement. Alors, Alfun Hill Bazaar, c'est juste ici. Il faut qu'on descende. On descend, hein. Ouais, on s'est kiff-kiff, hein. Ouais, peut-être un petit peu plus long par là, tant pis. C'est pas hyper. Non, attention, pas se faire piéger là. C'est ici qu'on va, nous. Hop, on délivre la lettre. Ça, c'est fait. On va aller parler à ce petit truc de prestige. Voilà. Et du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. On s'achemine doucement vers la fin de cette série. Mine de rien, qui était quand même assez plaisante. Donc j'espère qu'elle vous aura plu autant que moi. Et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.